Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis à Tignes et je vais passer une journée de ski d'été. C'est ma première journée de ski cette année, compte tenu des conditions sanitaires. Comme vous pouvez le constater, il y a encore 150 cm de neige au sommet du glacier de la Grande Motte. Alors, pour profiter de bonnes conditions de neige pour le ski d'été, il faut se lever assez tôt. Sachez que j'ai démarré cette vidéo à 7h. Sachant que les pistes ferment à 13h, mais à partir de 10h30, 11h, la neige commence à bien se transformer. Donc là, nous sommes au sommet du téléphérique de la Grande Motte à 3456 mètres d'altitude. C'est le point le plus haut du domaine skiable, sachant qu'on peut descendre jusqu'au bas du télésiège Vanoise. Donc ça fait quand même un tout petit peu plus de 700 mètres de descente, 700 mètres de dénivelé possible. Voilà, donc là j'arrive au niveau des téléskis Kerminion 1 et 2, et sachez qu'à cet endroit là du glacier la neige reste très bonne une bonne partie de la matinée parce que situé tout en haut du domaine. J'arrive tout en bas du domaine skiable de ski d'été à 2713 mètres d'altitude au niveau du télésiège Vanoise. À cet endroit-là, la neige est déjà transformée assez tôt le matin. Apercevoir là derrière le télésiège la boucle de ski de fond de 6 km qui est accessible sur le glacier. Et pour terminer la journée, j'ai pris le télésiège panoramique, donc petit télésiège 3 places qui permet de retourner à l'arrivée du funiculaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.